Un enfant va naître pour nous. On l'appellera Dieu fort. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons de prier, chers frères et sœurs en Christ, pour l'Église qui traverse une crise. Et aussi pour son unité, l'unité qui est si chère, qui lui est si chère. Nous prions pour nous-mêmes, les chrétiens, que notre foi soit forte, inébranlable, que nous fixions les yeux sur Jésus-Christ et que nous le suivons avec détermination, sans laisser les vendeurs d'illusions nous détourner de l'essentiel qui est le projet de Dieu sur nous. Nous allons aussi prier pour tous les malades qui comptent sur nos prières. Prions pour les jeunes qui offrent à Dieu leurs projets. Prions pour tous ceux qui ont besoin de nos prières, pour le repos de l'âme de Village Eric, pour la délivrance des enfants, des personnes qui sont possédées par des esprits mauvais. Prions pour la justice, pour l'amour dans notre monde. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Nous prions aussi pour la délivrance de Christelle Magnien, de Christelle Saint-Jean, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ le recouvre. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie,
Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils selon la chair, nous te prions. Que ton Verbe fasse miséricorde aux indignes serviteurs que nous sommes. Lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Malachie. Chapitre 3, des versets 1 à 4, puis 23 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourra-t-il aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien dans les années autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour redoutable et grand. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Psaume 24. Redressez-vous et levez la tête, car voici le Rédempteur, car votre Rédempteur approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux hommes de son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tout ce qui les apprenait les conservait dans leur cœur et disait, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ouvrons-nous au projet de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur a un projet pour toi, il te donne même un nom. Et le nom-là traduit même la mission que le Seigneur te donne. Nous avons tous un même nom, le nom de chrétien, n'est-ce pas? Nous avons tous le nom de chrétien. On va dire Claire chrétien. On va dire Hortense chrétien. On va dire Armand chrétien. Donc derrière le nom que nous portons, que notre famille nous a donné, Dieu nous a donné, Jésus nous a donné un nom qui s'appelle un chrétien. Et ce nom-là traduit la mission que nous avons à faire dans ce monde. Cette mission que nous avons à accomplir, c'est d'être le sel de la terre, c'est d'être la lumière du monde. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous devons apporter l'espérance dans ce monde. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas rentrer, quelle que soit la situation qui traverse le monde. Nous devons nous rappeler que nous avons reçu un nom de Jésus, le nom de chrétien. Et nous devons assumer cette responsabilité de créer chrétien en montrant au monde comment les choses doivent marcher selon la volonté de Dieu. N'oublions donc pas à être lumière du monde. N'oublions pas que nous sommes le sel de la
terre. Jean-Baptiste a été conçu pour cette mission, n'est-ce pas? La mission d'annoncer la venue du Messie. La mission, il est le précurseur. Vous voyez que ce n'est même pas sa famille qui lui a donné le nom. Son nom est venu de Dieu. Le jour où Dieu avait révélé à Zacharie qu'il va mettre au monde un enfant, il a douté. Dieu a collé sa langue jusqu'au jour où Jean-Baptiste est né. Dieu a délié sa langue juste pour qu'il dise qu'il s'appellera Jean. Il a obéi au projet de Dieu sur l'enfant. Dieu pouvait dire il le refuse. Mais si toi tu refuses le projet de Dieu, c'est pour aller où? C'est pour trouver ton bonheur en qui? Parce que ce que Dieu a fait pour toi, c'est ce qui est bon pour ton bonheur, pour ton salut. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est question de mettre de côté nos aspirations personnelles pour nous ouvrir à la volonté de Dieu. Que ce n'est que cette volonté qui nous rendra heureux. Ce n'est que cette volonté qui nous rendra heureux. Sans cette volonté, nous serons malheureux. Dieu nous aime et il veut que nous soyons heureux. Accrochons-nous à Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Et c'est ce Dieu qui vient, qui nous aime jusqu'à venir habiter au milieu de nous. N'est-ce pas? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il va vivre au milieu de nous pour nous accompagner. Donc, sortez de la détresse, sortez de la tristesse, sortez du doute. Que personne ne doute de Jésus. Que personne ne doute. Redressez-vous alors. Allez, redressez-vous. Et relevez la tête. Que ceux qui ont la tête baissée depuis quelques jours, là, qu'on parle des choses là. Allez, relevez votre tête. Redressez votre tête. Redressez votre tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous. Relevez la tête. Soyez fiers d'être chrétien. Soyez fiers d'être chrétien et chrétien catholique, car votre rédemption approche. Soyez dans l'espérance. Louis soit Jésus-Christ. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis en même mélange. Tu es béni, Dieu, le Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes, pour que l'offrande deviendra pour nous pain de l'éternel. Béni sois-tu. Prayer.
permettre que mon sacrifice, qui aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, et elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne avec toi maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous prouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli dans l'église. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le cœur de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul-Lantipéno et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Gouelagéry et de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nos tous enfants. Suis chacun de tes enfants ici présents. Suis les malades qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Suis tes enfants possédés par les esprits maléfiques. Aïe-la-la, en temps en arrière. Sur Pascal Zidane, sur Marie-Pascal, Marie-Thérèse Mathieu, Camélia, Sandra, Kenzie,
sur la vie d'Amine, sur tout ce qui compte sur nos prières, sur l'Église qui traverse des crises. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jean-Paul II, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à ton Église, ta sainte Église. Soutenue par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Thank you.
car du tombeau je dois surgir. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Achevons notre prière. Dans ta bonté, accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez écouter dans le forum de la paroisse le message des évêques du Cameroun. Et c'est ce que nous devons tous suivre. Et vous pouvez le lire dans le même forum. Vous pouvez retrouver la neuvaine préparatoire à la nouvelle année 2024. Donc j'ai publié là-dedans la neuvaine. Et je voudrais aussi encore, ce matin, nous inviter à prier davantage pour l'Église. Et en prenant conscience que chacun de nous a la responsabilité de l'Église. Soyons vigilants, et que chacun fasse son travail de guetteur pour ne pas laisser n'importe quoi entrer dans l'Église. Parce que c'est notre mère, l'Église c'est notre trésor, nous devons la garder sainte et sauf. Si nous perdons l'Église, nous avons tout perdu. Donc, que chacun se sente responsable de l'Église. Nous avons Noël avec les tout-petits aujourd'hui, à partir de 11h30. Ne les laissons pas seuls, ils nous attendent. Et ils se sont très bien préparés. Et demain, la messe, comme d'habitude, ce soir, à 17h. Voilà, nous sommes encore dans le quatrième dimanche du temps de l'Avent. Et après la messe de demain, après la messe de 9h, il n'y aura pas de messe de 11h demain. Nous allons rester sur place pour nettoyer l'église, pour la orner. Bonne journée à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ.
En aimant le monde, ne l'aimer que toi.